Hello tout le monde, bienvenue chez Passion avec Tech et Multimédia. Aujourd'hui, petite vidéo de unboxing sur ma tablette que j'ai reçue par Huawei France, que j'ai achetée récemment. Et il y avait une promotion, on va voir tout ça dans la vidéo. Donc c'est la Huawei MatePad 11. Vous avez l'image ici, mais on va voir tout ça dans la vidéo avec les différents produits que j'ai eu en cadeau parce qu'il y avait une promotion sur cette tablette avec différents accessoires indispensables pour une bonne connectivité et une bonne production et une tablette complète sur cette gamme de Huawei. Et donc on va voir tout ça dans la vidéo, donc je vous laisse regarder la petite intro et on se voit tout de suite après pour le unboxing et voir les différents produits de chez Huawei. À tout de suite. Donc, on va regarder un peu ce que j'ai reçu chez Huawei, donc le unboxing. Donc, on va commencer par là. Donc, j'ai eu une souris, donc offerte par Huawei, donc bon, tout simple. Et en plus, c'est super, ils ont fourni la pile, les gars. Il y a la pile qui est fournie, c'est nickel. Donc déjà, ça commence bien. Ensuite, les écouteurs, donc les FreeBuds 4i, donc assistante, vas-y, ouvre la boîte. Non, t'as mis tes pouces. Quoi. Vas-y, ouvre la boîte. Ouais, je suis avec madame. Oh putain, comment elle ouvre. Je dois. Regardez, hop. Voilà, c'est pas mignon, on dirait un œuf. Pardon, un envers. Un œuf, ouais, voilà. Voilà. On regarde mieux. Voilà, wow, c'est mimi tout ça. On va regarder ça dans une prochaine vidéo. De toute façon, je vais faire une petite présentation. C'est joli, en plus, chez la main d'une femme, c'est joli. Et en plus, elle ouvre à l'envers. On est mal barré, les mecs, on va mal barrer. Donc, je vais lui donner des cours prochainement. Donc, en plus, les écouteurs, j'ai. Bon, il y a le câble d'alimentation. C'est important. Bah oui, c'est important, oui. Et donc, j'ai la cover, donc, avec, je sais pas si on voit bien, avec le clavier. Donc, nickel, on va ouvrir pour deux. Vas-y, assistante, on ouvre. Il faut dire des fois. Voilà. Ben si, je suis pas payé pour ça. Hein. Ouais, bah, heureusement. Parce que... ah, voilà. Donc, hop. Donc, un peu, ça, c'est le même, c'est le même, même cover qu'on a vu chez la MatePad Pro de 2019, si je me trompe pas. Donc, voilà. Je garde le meilleur pour la fin. Le pencil. Non, mais laisse-la, on va la mettre dedans. Là. On va voir le pencil. Donc, on les avait ouverts. C'est pas arrivé comme ça, vous inquiétez pas. Donc, le pencil, hein. Ah, elle est sympa, ça va être sympa. Ah, ouais, nickel. Et ah, donc. On fait voir la pointe, regarde. Ouais, je vais regarder la pointe. Voilà, on va regarder la pointe. Tu tires ou tu pointes? Bon, enfin, bref. Non, et donc. Tu tires ou tu pointes? D'accord. Et donc, la bête, la Huawei MatePad 11. Donc, c'est la version 6 Go de RAM avec 64 Go de stockage. Et donc, on va l'ouvrir. Hop. Vas-y. Wow, c'est volé, ça vole. Et on va voir tout ça. Voilà, et tu la montres dans l'autre sens. Dans l'autre sens, tourne à l'envers. On vient de voir ma tronche de cake. Ouais, bah, c'est pas grave, ta tronche de cake. Voilà. Donc, bah, elle est soft, sobre, nickel. T'as, on va la mettre sur la cover, puis on va regarder ce qu'il y a dans la boîte. On va le mettre dans la cover, comme ça, elle sera protégée. J'ai bien mis mes doigts bien gras dessus. C'est pas grave. Donc, on va mettre la cover. Voilà. Hop, nickel. C'est aimanté et on peut. C'est pas aimanté. C'est pas aimanté du tout. Donc faut bien vérifier que ça soit bien mis. Voilà. Et donc voilà, on peut la mettre en différentes positions. Et donc ça donne ceci. Voilà. Première position. Première position. Et la deuxième, voilà. Après, voilà. Et puis on peut la fermer. Voilà, ça fait comme ça. Donc le niveau solidité, bon, c'est magnétique. Donc vous jouez pas avec, hein, bien entendu. Hop. Vous la retournez, attends, regarde, on retourne et ça fait, ça protège votre tablette. Oui, bah ça fait et déjà. Et avec la petite caméra qu'on voit de toute façon, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Bah, dans la boîte, il va y avoir les notices, donc le chargeur. Qui ressemble étrangement à Samsung. Ouais, bah c'est partout pareil, de toute façon, c'est un chargeur de, je sais plus. Je sais plus, 22 watts, je crois, quelque chose. De 22 watts. Ouais, donc ça charge à peu près à 100% en 2 heures, à peu près. Donc, bon, il y a le câble d'alimentation, hein, normal. Les petites notices. Pour ceux qui savent pas lire. Voilà, c'est ça. Et je crois que c'est à peu près tout.
Ouais, je crois que c'est tout. Là, on est en train de détruire la boîte. Défoncer la boîte. C'est jamais, il ne pas avoir une petite surprise. Oui, c'est sûr. Donc voilà un petit peu ce qu'il y avait de chez l'offre qu'il faisait à un moment donné. Donc dans cette offre, il y avait quand même la tablette, le cover offert, le stylet offert, la souris et les FreeBOSS 4U. Ah. Ouais, et ça c'est pour mettre la carte mémoire. Et donc je l'ai eu à 400 €. Oui, c'est ça. Oui, elle vous montre le petit truc ouais. Pour enlever. Oui. C'est une vidéo un petit peu particulière. Et donc par rapport à ça, la tablette coûte 400 €. Donc la tablette, mais avec tous les accessoires bien entendu. Il y avait une promotion et en plus j'ai pu bénéficier en faisant un compte de chez Huawei moins 10%. Donc la tablette, elle est revenue à 360 €, donc ça fait une belle promotion. Et comme on voit tous les prix des accessoires, ça fait quand même 200 € d'économie, sachant que les FreeBOSS 4i sont dans les alentours 90 €. Et de mémoire, je crois, le stylet et le cover, c'est d'une 100 € chacune, ou un petit peu plus, je ne sais plus exactement. Donc ça fait une sacrée économie. Donc pour 400 €, vous avez une tablette complète et productive à bon escient. Donc c'est nickel. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Il y aura d'autres vidéos bien entendu avec Huawei, donc avec les écouteurs. Et bien entendu, je vais vous parler du nouveau système d'exploitation, j'ai du mal à le dire, de Harmony OS. Donc on va voir tout ça et je vais vous donner des conseils pour mettre les services Google et tout, parce que bon, on peut vivre sans le service Google. On n'a pas besoin d'avoir de double menton. Voilà, et on verra pas mon double menton. Oui, bah je sais, le confinement, ça n'a pas réussi. Bon, enfin bref, on part de ce sujet-là. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez pu voir, donc c'est un peu le bordel. Je vous m'excuserai d'avance, c'est la petite piscine pour mon fils. Et puis derrière, vous avez vu, j'ai le moteur de la clim derrière. Donc c'est pas grave. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt et suivez bien ma chaîne. Allez, bisous bisous. Bienvenue chez Passion avec Tech et Multimédia. Aujourd'hui, j'ai reçu grâce à Huawei France, que j'ai commandé sur Internet, la MatePad 11. Oui, la MatePad 11, la dernière tablette de chez Huawei. Ils vont y avoir la MatePad Pro qui est sortie également, mais j'ai pris la MatePad 11 par rapport à son prix. On va voir tout ça dans cette vidéo. Mais en plus de cet achat, j'ai pu avoir différentes choses. Donc, avec la tablette, j'ai pu avoir la souris, le cover, les écouteurs et la tablette forcément, et le pencil qui est à votre droite. Donc avec tout ça, on va voir tout ça dans la vidéo, on va déballer un petit peu chaque produit et vous expliquer comment j'ai pu avoir tous ces produits offerts. Et en ce moment, il y a une promo jusqu'au 11 ou 10, je ne sais plus, dans 2-3 jours, cette promo-là, plus moins 10% pour ceux qui ont un compte Huawei. Donc on voit tout de suite dans cette vidéo. On en parle quand on est le 11? Non, on est le 10, loupé. Ah, on est le 11. Tiens, j'en peux plus.